Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt pas mal, surtout je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, donc bienvenue à tout le monde. La lumière est pas folle hein, dans cette vidéo, je vous l'accorde, il fait tout moche dehors, là il pleut et tout, c'est pas le jour idéal pour filmer, mais c'est pas grave, j'avais trop envie de filmer cette vidéo aujourd'hui quand même. Donc comme vous l'avez vu dans le titre et dans la vignette, on se retrouve pour une vidéo concours. Je vous avais fait un concours, c'était en septembre, enfin fin août, début septembre. Je vous avais dit qu'il y aurait un prochain concours en fin d'année. Donc voilà, c'est maintenant, c'est le concours, on va dire, le concours de Noël. C'est pourquoi je me suis donc vêtue de blanc, de doré. J'ai mis mes petites parures dorées. Non, blague à part, j'aime beaucoup ce haut. C'est le haut que je mets énormément. Genre les jours comme ça, où je reste chez moi, tranquille et tout, parce qu'il est hyper fluide, hyper ample, trop confortable. Et j'ai trouvé ces petites boucles d'oreilles là chez Adopt. Si vous en cherchez des comme ça, c'est un peu la mode cette forme là, on en voit tout le temps. Mais des comme ça, chez Adopt, il y en a plein qui sont pas chers, donc n'hésitez pas, foncez. Je divague comme d'habitude. Alors, vous savez que j'ai créé ma chaîne YouTube, donc ça fait un an maintenant. Voilà, c'est une petite chaîne, on est une petite communauté. Mais comme je l'ai fait voilà deux fois jusqu'alors, j'avais envie de tout simplement vous remercier encore une fois. D'être là, d'être présent, présente, de me soutenir, de m'encourager, parce que voilà, c'est pas évident quand on crée une chaîne YouTube, il y a tellement de youtubeurs, youtubeuses beauté, en plus c'est le domaine où il y en a le plus, et moi je suis ravie, franchement avec ma petite chaîne, c'est grâce à vous, je suis ravie, c'est un vrai bonheur, franchement je m'éclate, voilà, quand je filme mes vidéos et quand j'échange avec vous dans les commentaires, cette chaîne YouTube c'est devenu vraiment mon échappatoire quoi, mon petit moment de bonheur, donc voilà, c'est pas grand chose. C'est ma petite façon à moi de vous remercier et voilà, de vous faire plaisir autant que vous me faites plaisir tout au long de l'année. Bon, je vais arrêter de parler, je vais vous montrer du coup ce que j'ai décidé de vous offrir. Juste avant, je vous le dis déjà tout de suite, en fait c'est que des produits, donc plutôt, drugstore, ce genre de choses, forcément j'ai pas forcément les moyens de vous offrir des produits Chanel, Dior, Shiseido, etc. Mais c'est que des produits que j'adore, ce n'est que des produits que j'ai. Déjà, je les ai tous et je les adore. C'est pour ça que je veux vous les faire gagner, parce que c'est que des produits qui sont géniaux et je suis sûre que vous allez les aimer autant que moi. Et j'ai constitué deux petits colis. Et alors, pour le coup, ce sont exactement les deux mêmes. Voilà, je vous avais dit que pour ce concours, j'essaierai de créer deux trousses complètement identiques. J'ai réussi à le faire. Dans chaque trousse, il y a 18 produits, comme la dernière fois. Ça, par contre, c'est pas fait exprès. C'est tombé au hasard. Et je vous ai concocté de quoi vous chouchouter. Vous allez voir, il y a des soins, il y a du make-up, il y a de quoi faire quasiment un total make-up, sauf fond de teint et anti-cerne, parce que c'est vrai que les teintes, c'est pas forcément évident, puisqu'on a tous et toutes des carnations différentes. Mais franchement, du gommage au masque, jusqu'à la poudre et tout, il y a vraiment de quoi voilà, prendre soin de vous pendant les fêtes et vous faire plaisir et vous chouchouter. C'est parti, on y va. Premier produit que j'ai mis donc dans les concours, c'est la palette The Blushed, j'ai toujours mon accent anglais de merde, hein. Nude de Je mets Maybelline, donc c'est cette palette là, je vous l'offre, en fait je vous la mets dans les concours parce que moi c'est ma palette préférée de toute cette gamme. J'aime aussi la Burgundy qui est plus dans des tons rouges, violets et tout ça, mais celle-ci c'est celle que j'utilise le plus au quotidien, elle est super, voilà, les fards sont vraiment beaux je trouve. Très léger pour des make-up, no make-up, c'est vraiment l'idéal. On peut faire des trucs aussi plus intenses, un peu plus smoky. Enfin voilà, c'est une palette que j'aime beaucoup. Donc à chaque fois, il y aura les deux mêmes produits dans chaque colis. Un autre produit de Je mets Maybelline aussi que je voulais absolument vous faire gagner, c'est aussi une palette. Mais c'est la palette Master Bronze. C'est celle-ci qui contient en fait trois poudres bronzantes. Et un highlighter, et je l'aime énormément. Voilà, j'ouvre pas les produits parce que là ils sont évidemment tout neufs, hein, je l'ai pas précisé, mais c'est une évidence quoi. Donc je vous montre juste les packagings, mais je ne les ouvre pas. Pour moi, c'est les meilleures poudres de Je mets Maybelline, les meilleures poudres qu'on peut trouver vraiment dans des marques abordables. C'est une palette que j'utilise très régulièrement. Que ce soit les poudres bronzantes ou l'highlighter, je l'aime beaucoup aussi. Je mixe un peu aussi de temps en temps, vous l'avez vu dans mes vidéos, les différentes poudres. Allez, on va rester dans le Je mets Maybelline. Vous savez que c'est une marque que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je fais des total make-up Je mets Maybelline parce que je trouve mon bonheur à tous les niveaux dans la marque. Je vous ai mis, ça c'est pas grand-chose, mais je l'adore, mon labello, mon baume à lèvres préféré, labello coloré, c'est le Baby Lips de Je mets Maybelline. C'est celui-là, il est hydratant, il est coloré, donc c'est
parfait, c'est le genre de truc que moi j'ai toujours dans mon sac à main. J'en ai toujours en réserve, je m'en sépare jamais en fait. Pour continuer dans le maquillage, je voulais aussi absolument vous faire gagner une de mes poudres chouchou, une de mes poudres favorites. Je crois que je vous en ai parlé il y a pas longtemps d'ailleurs dans une de mes vidéos. C'est la poudre de riz de Java, de Bourjois. C'est celle-ci que l'on peut trouver aussi en grande surface. D'ailleurs moi c'est là que je l'achète essentiellement. Elle est parfaite cette poudre. Elle est matifiante, elle va fixer le make-up. Elle est ultra fine, ultra légère. Elle sent super bon. Elle est lumineuse. Enfin, voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. Cette poudre, pour moi, c'est un petit bijou. Et en plus, je trouve le packaging trop mignon comme ça, vintage, à l'ancienne. D'ailleurs, l'odeur, c'est une odeur de rose. Et un peu à l'ancienne aussi. Mais moi, j'aime beaucoup. Donc, au cas où vous la connaissiez pas encore, voilà, ça vous permettra de la découvrir parce qu'elle est exceptionnelle. J'aurais peut-être dû commencer par ça parce que c'est un peu la base du maquillage. Enfin, généralement, c'est par là qu'on commence. Mais bon, moi, vous me connaissez, je suis un peu... je pars un peu dans tous les sens en live. C'est pas forcément dans l'ordre. C'est pas grave. Je voulais absolument vous mettre dans les colis la base pore filler de NYX. C'est celle-ci. Donc, j'en mets une dans chaque aussi. Parce que pour moi, c'est une des meilleures bases, tout simplement, qui existe. Moi, j'applique un jour sur deux... celle-ci, j'alterne avec la professionnelle pardon, de Benefit, que j'aime aussi. Pour les pores, pour affiner le grain de peau, le resserrer, etc., c'est une base qui est au top. Franchement, c'est une base qui n'est pas chère. Enfin, NYX, de manière générale, c'est abordable comme marque, mais qui fait vraiment le job de la base, quoi. Elle va vraiment préparer la peau à recevoir le make-up. Elle va l'unifier. Elle est top. Cette base pore filler, ça reste, pour moi, ça reste un indispensable. Donc là, pareil, au cas où vous la connaissiez pas encore, je voulais vous la faire découvrir. Ensuite, je vous mets des petits fossiles. Alors là, c'est des fossiles que j'ai depuis quand même un petit moment, enfin quelques mois, dans mon make-up à moi. Ils sont tout neufs, je les ai jamais utilisés. Et c'est quelque chose que je n'utilise pas forcément, ou en tout cas très rarement. Les fossiles, voilà, j'en mets vraiment pas souvent parce que je ne sais pas trop faire, c'est pas trop mon truc. Donc je me suis dit, voilà, je vais vous les offrir. Peut-être que vous, ça vous sera plus utile qu'à moi. Donc il y a des fossiles, là c'est pas exactement les mêmes. Il y en a qui viennent de chez Adopt, donc qui se présentent comme ça. Et les autres, je les avais achetés sur internet, mais je sais plus sur quel site. C'est la marque Ardell Professional. Ils sont comme ceci. Voilà, donc ça je mets peu importe dans les colis. Je voulais aussi vous faire gagner un de mes highlighters préférés. C'est le Master Chrome de Je mets Maybelline. C'est celui-ci. Alors, j'ai acheté les deux mêmes teintes, à savoir la teinte numéro 100 Molten Gold. Parce que dans la gamme Master Chrome, je crois qu'il y en a deux. Il y a celui-ci donc qui est un peu... J'ai mis le ventilateur, hein, j'ai un peu le cheveu dans la face, qui est un peu doré. Et il en existe un autre qui est plutôt dans les roses, voilà. Mais moi c'est celui-là que je préfère, que j'applique le plus souvent. Donc c'est pour ça que c'est celui-là que je vous ai pris. J'ai pris les deux mêmes. Et c'est un highlighter qui est génial, qui est tout en légèreté en fait. Il va apporter vraiment l'éclat en fait, le glow, mais sans être too much, voilà. Il va pas faire effet boule à facette du tout. Il marque pas non plus les imperfections, parce que parfois sur les endroits où on met l'highlighter, ben, ça fait ressortir un peu les pores, les imperfections et tout. Celui-là, pas du tout. Il fait pas d'effet de matière, il se fond à la peau. C'est ouais, c'est une petite pépite, cet highlighter, donc je voulais vous le faire gagner. Un produit pour les lèvres, qui est un de mes produits chouchou aussi, que j'utilise tout le temps et que je rachète à chaque fois que j'ai terminé. C'est un crayon à lèvres en fait de L'Oréal. C'est l'infaillible lip liner. C'est ce crayon à lèvres là. Alors je ne sais pas si vous les connaissez. Il se présente comme ça, c'est sous forme vraiment de stylo. Voilà, bien. Vous avez le petit crayon à lèvres ici. Et évidemment, pas besoin de le tailler. Vous tournez le crayon et il sort tout seul. Ça c'est toujours super pratique. De toute façon, je pense que les crayons à tailler, c'est un peu fini. Je ne sais même pas s'il y en a encore d'ailleurs. Ils sont gras. Super gras, du coup vous avez besoin de passer qu'une seule fois sur le contour des lèvres et c'est suffisant. J'aime beaucoup cette teinte, c'est celle que j'utilise tout le temps, c'est pour ça que je voulais acheter. Celle-ci c'est la teinte numéro 701, Stay Ultraviolet. Alors elle s'appelle Stay Ultraviolet mais en fait c'est pas un violet, je sais pas si vous l'avez vu là quand je l'ai ouvert. C'est plutôt un rose en fait. Moi, ce que je fais souvent c'est que je me fais mon contour de lèvres, je remplis même mes lèvres avec et je mets mon rouge à lèvres par-dessus. Ou des fois même, j'aime tellement cette teinte
que je m'en sers de rouge à lèvres en mettant ensuite un peu de Babylips, par exemple, de Je mets Maybelline. Enfin voilà, après vous faites l'usage que vous voulez avec, mais c'est des petits crayons à lèvres au top du top. Et pour finir en make-up, je vous ai mis deux fards mono, donc des fards à l'unité, qui sont des fards crème. C'est les Color Tattoo de Je mets Maybelline, de la gamme Eyes Studio. Je sais pas si vous connaissez ces petits fards à paupières. Moi, c'est quasiment les seuls fards à paupières crème que j'applique. Sinon, je suis pas trop fan, je préfère les poudres. Enfin, maintenant, j'utilise aussi des fards à paupières liquides. Je vous l'avais montré dans certains tutos. Ceux-là, c'est les seuls que j'applique. Pourquoi ? Parce qu'ils sont hyper simples, en fait, à appliquer. Et ils font pas de traces. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais des fois, avec les fards à paupières crème, quand on ouvre l'œil, ça file là dans les plis, ou alors on a des taches au-dessus, c'est pas uniforme, enfin, je sais pas. En tout cas, moi, c'est les seuls fards à paupières crème avec lesquels je ne galère pas. Donc, voilà, c'est pour ça que je voulais vous offrir cela. Par contre, là, les teintes, elles sont différentes. J'en ai pris un en teinte numéro 50. C'est celui-là, c'est une sorte d'argenté, en fait. Et celui-là, c'est la teinte numéro 55, qui est plus gris métallisé, en fait. Voilà, pour les fêtes, justement, de fin d'année, je me suis dit que c'était pas mal pour faire des smoky, des trucs comme ça. Donc voilà. Et puis, on va passer aux soins. De quoi vous chouchouter. Donc, je voulais absolument vous acheter cela. Ça, c'est la serviette magique démaquillante. Donc, j'en ai pris deux. J'ai pris deux bleus. Moi, je l'ai. J'en ai une violette, j'en ai une rose et j'en ai aussi en petit carré rose. Et depuis que j'ai découvert ça, je ne m'en passe plus. Je l'utilise tous les soirs pour me démaquiller avec mon huile démaquillante sous la douche là. Mais ça fonctionne même sans produit démaquillant. Et je vous en avais parlé là aussi dans une de mes vidéos. Je vous avais dit quand j'ai acheté ce machin, j'y croyais pas. Franchement, je me suis dit ouais, un truc qui démaquille sans produit, tout seul. Et si, je vous ai dit, ça fonctionne vraiment. Je sais pas comment c'est fait, comment c'est possible. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est en microfibre en fait. Et que c'est ultra doux pour la peau. C'est d'une douceur dingue. C'est hyper agréable à utiliser en plus. Parce que généralement, quand on se démaquille, c'est pas le moment le plus sympa de la journée. Et avec ça, ça devient un bon moment. Et en plus, voilà. Ce que je vous avais dit, c'est que c'est économique, c'est écologique. Ça se lave soit à la main, soit en machine. Enfin, voilà, c'est réutilisable à volonté. Et je trouve que c'est un très très bon produit, vraiment super bien pensé. Donc je voulais absolument que vous puissiez le découvrir aussi. Ensuite, je vous ai mis deux petits masques. C'est les masques purifiants à l'argile blanche. C'est les masques comme ça, je ne sais pas si vous les connaissez. Moi, je les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, il en existe plein, hein, plein de masques différents. Là, je vous ai pris ceux-là à l'argile blanche parce que pour moi, ceux à l'argile blanche, ils font partie vraiment des plus efficaces. Et ils se présentent à l'unité comme ça, mais vous pouvez les utiliser plusieurs fois. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, vous avez beaucoup plus qu'une dose. Moi, généralement, avec un pot, enfin un tube comme ça, je fais au moins 3 ou 4 masques différents. Et je pense que c'est pour ça que d'ailleurs, ici, vous avez un petit capuchon, en fait, pour pouvoir le refermer. Parce qu'on peut faire plusieurs utilisations avec. Et c'est vraiment des super produits. Vous allez voir, effet immédiat sur la peau. Et notamment ceux-là, là, les purifiants à l'argile blanche, ils sont vraiment, vraiment, purifiants, quoi, détoxifiants. C'est des masques que moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je souhaitais vous faire découvrir également une crème que j'ai découvert il y a quelques mois et dont je suis tombée vraiment amoureuse. C'est la crème de Mixa, en fait, la Hyalurogel, gel crème hydratant intensif 24 heures à l'acide hyaluronique. Bon, il y a les plastiques, je vais pas les ouvrir pour vous montrer les pots et tout ça. Je vous en ai déjà parlé de cette crème-là, je l'aime beaucoup. Alors, non seulement elle a une odeur de bébé, comme la plupart des produits Mixa, hein, bien sûr, parce qu'à la base, c'est des produits pour les bébés. Du coup, quand on l'utilise, l'odeur fait qu'on a vraiment l'impression de prendre soin de sa peau, quoi, de prendre soin de soi. C'est tellement agréable, j'aime trop, quoi. Et elle hydrate énormément. Alors, c'est peut-être l'acide hyaluronique qui est à l'intérieur, mais aussi tous les autres actifs, hein, qui sont quand même super hydratants. Moi, je vous ai pris du coup celle pour peau sensible déshydratée, parce qu'il y a plusieurs modèles là aussi. Il y a celle pour peau mixte, pour peau grasse, pour peau sèche, etc. Et comme là, c'est l'hiver, voilà, qu'on a tendance à avoir un peu de la déshydratation et tout ça, je me suis dit que ce serait pas mal. J'ai pris les deux mêmes, donc voilà, peau sensible déshydratée. Et vous allez voir ces deux petites crèmes qui sont merveilleuses. Je suis certaine que ceux ou celles qui vont les gagner vont les racheter parce qu'elles sont, géniales. Et même si vous ne gagnez pas à ce concours-là, n'hésitez pas,
à les tester parce que c'est vraiment des petites pépites ces crèmes là. Alors je voulais vous mettre aussi dans les colis des gommages pour bien bien nettoyer la peau. J'ai choisi de vous mettre une gelée exfoliante en fait anti-pollution à la fleur d'amandier de la marque Le Petit Olivier. On parle très 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 peu, enfin moi en tout cas personnellement j'en entends très très peu parler, mais moi je l'adore ce produit, je l'adore. C'est un peu comme mon gommage gourmand à l'abricot, vous savez, d'Yves Rocher, je vous en parle souvent, qui est pour moi une petite merveille, une petite pépite qui fait vraiment le job et qui est vraiment pas cher. C'est le genre de produit indispensable pour moi et ça, ça en fait partie. La gelée, elle est pas trop abrasive, ce qui fait qu'elle est suffisamment exfoliante pour bien nettoyer la peau, mais en même temps pas trop pour ne pas l'agresser. L'odeur est géniale, voilà, ça c'est un super gommage. Et donc, je vous ai également acheté une crème de nuit que j'ai découvert, alors il n'y a pas très longtemps, ça fait 2-3 semaines que moi je l'utilise, mais je l'ai trouvée tellement géniale que je voulais absolument vous l'acheter. Elle est bio, alors je ne sais pas si vous connaissez cette marque, c'est la marque Nectar of Nature, et ça c'est la crème de nuit à l'aloe vera et à l'huile d'argan. Donc, qui se présente comme ça. Voilà, vous savez que moi je suis une inconditionnelle de l'aloe vera, je vous en ai parlé plein de fois, l'huile d'argan aussi. Cette crème bio est à la base, voilà, de ces deux actifs qui sont extra pour la peau. Donc voilà, je voulais vous la faire découvrir. Et ensuite, on arrive bientôt à la fin, hein, ça commence à se vider. Je voulais aussi vous mettre une crème que j'adore également. De toute façon, je vous ai dit, c'est que des produits que j'adore, donc je vais pas vous mettre des produits que je n'aime pas. C'est une crème de Diadermine, pareil pour la nuit, qui s'appelle le Fluide Miracle Nuit. Alors, c'est pas vraiment une crème, mais c'est pas non plus un sérum. C'est un peu entre les deux. C'est une texture entre le sérum et la crème pour les zones fatiguées et stressées. Donc, c'est voilà, ce petit tube là, bleu et doré. Et moi, je l'applique énormément le soir. Donc, comme est dit sur le packaging, sur les zones vraiment fatiguées et stressées, c'est-à-dire que moi, j'en mets, voilà, sur le contour des yeux, sur les... Là où on a un peu les sillons nasaux, voilà, qui sont un peu voyants, menton, enfin voilà, les zones où j'ai tendance à avoir des marques ou des taches ou des ridules, etc. Et j'aime beaucoup ce produit. J'aime énormément la fluidité, en fait, du produit, l'odeur, l'effet, j'aime tout, quoi. Je vous ai mis aussi des petits vernis, donc de la gamme Color Show de Je mets Maybelline. Je vous ai mis cette teinte là parce que je l'adore et je trouve que pour l'automne-hiver, c'est la teinte parfaite. C'est ce genre de bordeaux là, vous voyez. C'est pas vraiment un rouge, c'est vraiment un bordeaux hyper intense et tout. J'aime trop cette couleur, je trouve ça trop féminin, élégant, glamour, enfin j'aime trop. C'est le 352. Donc voilà, je vous mets ces petits vernis. Je voulais vous mettre aussi un produit capillaire quand même si j'en mets qu'un. Et du coup, j'ai décidé de vous mettre l'huile extraordinaire, l'huile en crème de L'Oréal, dont vous m'avez entendu parler aussi je sais pas combien de fois sur ma chaîne, tout simplement parce que ce produit, il est miraculeux pour les cheveux. Voilà, vous lavez les cheveux avec n'importe quel shampoing, votre shampoing habituel. Et ensuite, une fois que vos cheveux, ils sont voilà, bien lavés, encore mouillés, vous appliquez cette crème sur vos cheveux, elle va les hydrater à fond et surtout elle est sans rinçage, sans effet gras et moi c'est tout ce que j'aime quoi. Je la mets le soir du coup sur mes cheveux mouillés, souvent je le fais en me les démêlant d'ailleurs et ensuite je laisse mes cheveux sécher comme ça à l'air libre. Du coup la crème a bien le temps voilà, de pénétrer mes cheveux toute la nuit et le matin à chaque fois je me réveille avec des cheveux tout doux, qui sont pas gras, voilà, qui sont hydratés, il n'y a plus de fourche, il n'y a plus de cheveux secs, il n'y a plus rien. Elle porte très très bien son nom, là, l'huile extraordinaire, parce qu'elle est extraordinaire, je vous jure. Alors, ils appellent ça huile en crème, mais vous allez voir, c'est plutôt une crème qu'une huile. Elle est aussi micro-huile de fleurs rares, nutrition durable, matière souple et soyeuse, coiffage facilité. Alors, pour les cheveux, très secs, parce que c'est vrai qu'elle va hydrater, les cheveux vraiment en profondeur. Alors je peux pas vous dire si voilà, si vous avez tendance à avoir les cheveux gras, ça va pas vous convenir, je sais pas trop. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ça va vous faire de magnifiques cheveux. Et du coup, le 18e produit, j'ai décidé de pas vous le montrer. En fait, je comptais vous le montrer, puis je me suis dit bah non, finalement je vais pas le montrer pour que ce soit une petite surprise. C'est ni un produit maquillage ni un produit soin. En fait, ce sont des bijoux, voilà, je vous en dis pas plus. C'est des bijoux enfin pas spécifiques, mais vraiment d'ici, de La Réunion. Si vous me connaissez un peu ou si vous me suivez depuis quelques temps, je pense que vous allez deviner ce que c'est. Mais voilà, je vous laisse la surprise. J'en mets un dans chaque colis. Et voilà, ce sera le 18e produit un peu bonus.
Eh bien écoutez, voilà, j'espère vraiment que tout ça vous fera plaisir. J'ai choisi avec mon cœur, j'ai choisi des produits que j'utilise au quotidien ou au moins chaque semaine, des produits que j'adore. Voilà, c'est peut-être pas grand chose, c'est pas les marques de folie, hein, c'est pas du Charlotte Tilbury, mais en tout cas c'est des produits en lesquels j'ai confiance et qui fonctionnent. Alors au niveau des conditions de participation pour le concours, là je change rien du tout, je vais faire très très simple, hein, comme les dernières fois. Trois conditions de participation, si vous voulez voilà, essayer de remporter une de ces deux petites trousses. Bah, la première condition, évidemment, être abonné à ma chaîne. La deuxième condition, vous likez la vidéo et puis vous me laissez un commentaire. Et la troisième condition, qui est la plus importante, c'est de partager soit ma chaîne, soit une de mes vidéos, enfin en tout cas mon contenu, voilà, sur un réseau social, celui que vous voulez. Mais l'essentiel, c'est de partager. Voilà, c'est très simple. Et puis enfin, je ferai un tirage au sort, je ferai comme j'ai fait jusqu'alors, c'est-à-dire je prendrai voilà, les noms de toutes les personnes qui ont rempli toutes les conditions, un tirage au sort avec deux gagnants, deux gagnantes. J'enverrai les petits colis avec le max de protection, comme toujours. Je vous mets la date limite pour participer là dans la vidéo. Et puis voilà, moi je suis très contente de pouvoir faire ça, en tout cas ça me fait très plaisir. Donc j'espère que vous serez quand même nombreux, nombreuses à participer. Bah écoutez, j'attends vos retours. On se retrouve très très bientôt pour ma prochaine vidéo. Jusque là, prenez bien soin de vous et encore merci. Je vous embrasse. Bye bye.